Les landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le cerf inondé était en paix, Maureen a plongé lui dans un lac du Connemara. Tim Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit, elle y mérite, Maureen a dit oui. De Tiberari, Ballyconnolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait des colons, les O'Connolly et des Fratelli, du Riverry et des Croix-Voix, trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.